Absolument du tout. C'est le projet Arivili est arrivé depuis 2016. Nous avons formé sur beaucoup de choses. Nous remercions beaucoup le projet Arivili concernant l'ISAD et le CRS, plateforme pour la paix en Casamance. Dès que le projet est arrivé à Kandienou, ici dans la zone de Kandienou, commune de Bangère, et jusqu'à présent, ils nous ont formés sur beaucoup de choses concernant la cohésion sociale, les formations allant au miel, ils nous ont formés sur ça, sur l'environnement aussi, ils nous ont formés sur ça. Beaucoup de problèmes qui lient entre les populations, ils nous ont formés sur ça. Vraiment, nous avons vu aujourd'hui. Nous avons bénéficié beaucoup de connaissances, beaucoup de savoirs là-bas, et qui nous a amené vraiment beaucoup de fierté. Absolument, c'est réglé parce que vraiment, auparavant, les gens ne comprennent pas. Il y avait des conflits internes entre les villages, mais dès que le projet Alivili est arrivé, ils nous ont mené des sensibilisations. Nous avons descendu sur le terrain pour faire le tour des villages, sensibiliser les gens, les jeunes et les femmes et nos parents. Et finalement, les parents ont compris. Il y a certaines choses qu'on doit éviter, laisser. Il y a certaines choses qu'on doit combattre aussi. Et essayer aussi de mettre autour de l'essentiel. Quelles sont les choses entre nous? D'abord, la cohésion sociale, se saigner entre nous, essayer de nous comprendre nous-mêmes, éviter certains petits détails entre nous, vraiment, et cela est compris au niveau de la population, vraiment, tout va bien maintenant.